sera difficile. Ils sont tous bruns. Évidemment. Vous avez dit que votre agresseur était brun, la trentaine, les cheveux courts. Alors. Oui, je sais, mais... Non, là... Désolée, il y est pas. Le seul qui se rapproche le plus, c'est le numéro 3, mais... Je suis pas sûre. Il faudrait que j'entende sa voix. Le 3, avance de deux pas. Dis-nous quelque chose. Va te faire foutre, connard. Rencontre de tous âges, quel bonheur de vous retrouver au cirque Arlette Huss. Tout au long de cette affaire, ensemble, nous aurons le plaisir de partager des moments de rêve, de rire, d'émotion, mais également de pêche. Essayez de revisualiser votre agression en les isolant un par un. C'est indispensable. Je sais, c'est pas facile, mais c'est important pour nous. Oh, excusez-moi. Oh là, je vous ai fait peur, là. Excusez-moi, j'habite ici, hein. Je suis au nouveau locataire, là. J'ai une chambre de bonne au dernier étage. Si vous pouvez m'ouvrir, c'est super sympa. Je suis en train de tremper les courses, là. Je me souviens plus du code. C'est quoi? Merci, hein. Les chambres de bonne du dernier étage sont occupées par des étudiants ou des étrangers qui sont de passage auxquels on ne fait pas vraiment attention. J'ai cru que... Enfin, je pouvais pas me douter. Il avait l'air si gentil. Allez, bonsoir. Vous avez de la chance, ouais. Non, j'ai encore deux étages, moi. Tous les jours comme ça. Allez. Il y a un truc que je ne comprends pas. À ce moment-là, vous l'avez bien vu, quand même. Je l'ai bien vu. Il pleuvait des trombes. En tout cas,
cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'était pas très grand. Un peu plus petit que vous. Oui. Brun. Plutôt costaud, un visage sympathique. En tout cas, c'était un Français avec l'accent du Sud. Ça, j'en suis sûre. D'accord. Elle n'irait pas le voisin pour sortir son chien. À l'heure actuelle, je suis en train de la mettre en terre, ma Valérie. Et je pense à la prochaine, et à la prochaine mère, qu'on va réveiller en pleine nuit, et à laquelle on va annoncer que sa fille a été retrouvée, violée et égorgée par ce monstre. Je sais ce que vous ressentez, madame. Je vous assure que nous faisons tout notre possible. Tout votre possible? Ça fait 2 ans que ça dure. Vous savez très bien qu'il est dans la nature. Et que vous ne pourrez l'arrêter que lorsqu'il aura commis une nouvelle agression. Mais rien ne nous permet d'établir qu'il s'agisse du même individu. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, madame. Ne me dites pas que vous ne faites pas le rapprochement entre l'agression de ma fille et la série de meurtres qui ont été commis dans le 19e arrondissement. C'est un serial killer. Pourquoi vous ne voulez pas l'admettre? Alors, serial killer, phénomène typiquement américain. Les USA recensent 76% de serial killers mondiaux, l'Europe arrive en second avec 17%. Depuis quelques années, avec l'ouverture des frontières, le phénomène américain risque de se propager en Europe. Tu sais comment on appelle le service chargé d'enquêter sur les serial killers aux États-Unis? Non. Les Dirty Dozen, les 12 salopards. Tu veux savoir pourquoi on les appelle comme ça? Pourquoi? Parce qu'ils sont 12 poulets. Tous volontaires enfermés dans un bunker d'où ils traitent les affaires à distance. Ils se font envoyer les vidéos des lieux dans lesquels se sont déroulés les crimes, les photos des victimes et tous les indices exploitables. Et sans jamais se déplacer, ils enquêtent à partir de ces éléments. C'est pas insensé, non? On va faire comme eux, comme si on arrivera à prendre nos repas ensemble. J'ai un tueur en série sur les bras, Sam. Un mec qui tape dans le 19e arrondissement. Il m'a déjà violé et égorgé 6 filles. Et il a failli en accrocher une 7e à son tableau de chasse avant-hier soir. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est le même? Sa signature. Même type de victime. La 20aine, jolie, habitant seule. Et toute dans le 19e. Pourquoi le 19e? Ben, j'en sais rien, je sais pas. Peut-être qu'il y habite, hein, ou que c'est proche de son lieu de travail. Et puis aussi sa façon de les tuer. Il les égorge avec un rasoir après les avoir attachés avec des menottes. Et c'est en surfant sur le net que tu comptes le trouver? Je me documente, moi, je cherche. Nous, notre camionnette habituelle, c'est les crimes passionnels, les règlements de compte, les braquages foireux, avec des motifs qui nous permettent de remonter le courant, de faire avancer l'enquête. Mais là, moi, j'ai affaire à un fou qui agit uniquement avec son instinct, ses pulsions, les coups de cœur, tu vois, et dont le seul mobile est le sexe. Alors, je suis largué, moi, je suis paumé, j'ai pas l'habitude de ce genre de mec. Pourquoi vous lancez pas une campagne d'intox par voie de presse? Je peux vous y aider, moi, si tu veux. On fait un article dans lequel on dit que vous êtes à deux doigts de le coincer, ce qui le calmera pour un moment, et ça vous laissera le temps d'avancer sur ce que vous avez. On n'a rien, Sam. Rien. Et puis après, ça va servir, tu vois. Il va se calmer pendant 2-3 mois, et puis il posera sa valise ailleurs, et il recommencera dès que le souffle sera retombé. Je vais même te dire un truc. On en est à attendre la prochaine victime en espérant qu'il commette une erreur. Et qui nous laisse un indice. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux, je sais, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est brun et qu'il a la trentaine. C'est maigre, hein? Moi, je vis où avec ça? Je vis où? Bah, toi, je sais pas. Mais moi, je vais dormir. C'est pas le ministère de l'Intérieur qui paye mes heures sup. T'as qu'à faire appel à tes 12 salopards. Ils auront peut-être une idée, eux. Très drôle. Fineur, Laurence Cusco. Alors, Laurence Cusco, psychocriminologue profineur, né le 25-63, célibataire. Formation, maîtrise en droit 85, Université Paris, doctorat de psychologie en 87, Université Paris, stage au FBI, à Quantico 89, Allez donc, c'est Superwoman, hein? Ah ouais. Ils viennent pour la plupart de milieux défavorisés. Des foyers instables dont le père est parti. Il n'a jamais existé, si ce n'est que pour les frapper, les torturer, en abuser sexuellement. Quant à la mère, elle est bien souvent alcoolique, ou elle se prostitue sous leurs yeux. Ça en fait des êtres qui ont grandi en canalisant leur énergie vers des fantasmes d'agression et de domination, et qui finissent par commettre des meurtres. Chaque meurtre étant pour eux une façon répétitive de suggérer la projection de leur propre but. Ça n'excuse rien, je sais. Mais c'est important pour essayer de comprendre leur comportement.
Christine. Il existe deux types de serial killer. Il y a le criminel désorganisé, qui la plupart du temps commet son crime à partir d'une pulsion, d'une hallucination, et agit sans préparer son acte et sans en mesurer les conséquences. Et puis il y a le criminel organisé, dont le profil correspond à l'homme que vous recherchez. C'est un chasseur, un dangereux prédateur. Beaucoup de temps et beaucoup de chance pour le coincer. Est-ce que vous croyez qu'il peut s'arrêter de tuer? Non. La réalité n'étant jamais à la hauteur des fantasmes de ce type d'individu, leur quête devient perpétuelle. Vous m'avez porté les photos que je vous avais demandées? C'est autant en serial killer. Hein? C'est bizarre, c'est pas une profession qui vous va, quoi. C'est très curieux. Le viol a lieu avant ou après la mort? D'après le médecin légiste, avant. Mais les sévices et les tortures ont été pratiquées après. Les menottes font partie d'un rituel destiné à impressionner et à rabaisser les victimes. Et le fait qu'ils prennent son temps pour replier soigneusement les vêtements après les avoir bâillonnés, déshabillés, montre qu'il s'agit d'un maniaque obsessionnel qui agite la sorte pour humilier ses victimes et retarder son acte. C'est un plaisir sadique. Une jubilation macabre au cours de laquelle il se conditionne pour le moment de la mise à mort. Aïe ! Je vous en prie, vous pourrez vous arriver. Pourquoi tu mens? Tes parents sont en vacances.
fait? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que tu m'emmerdes pas pendant que je visite là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Chut! Merci de m'avoir accompagné. C'était très agréable. Je vous en prie. Vous accepteriez de collaborer avec moi sur cette enquête? Collaborer, je ne sais pas. Vous donner mon sentiment, vous faire part de mes intuitions, ça oui. Ici, ce n'est pas comme aux États-Unis. Les juges ont peur de nous voir empiéter sur leurs prérogatives. Ils ne nous facilitent pas vraiment la tâche. À vrai dire, ils ne nous prennent pas du tout au sérieux. Le juge, j'en fais mon affaire. C'est la première fois que je me retrouve confronté à un tel problème. On en est déjà à 6 meurtres et on n'a pas le début d'une piste, on tourne en rond. J'ai besoin de votre aide. Vous avez ma carte. N'hésitez pas. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. J'étais ravie de vous avoir connu. Laurence? Oui. Vous n'avez pas répondu à mes questions tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous fait courir après ce genre de type? Le boucher de Cleveland, ça vous dit quelque chose? Il a été arrêté le 20 janvier 1987. Après avoir séquestré, violé et torturé des dizaines de jeunes femmes. La police a retrouvé 37 corps enterrés au fond de sa cave. Il y avait celui de ma sœur. Elle avait 24 ans. Elle était partie aux États-Unis pour parfaire son anglais. Voilà. Je suis désolé. Avant de partir. Bisous, je t'aime. Salut, commissaire. Salut, Quix. Merci d'être venu. C'est le concierge qui l'a retrouvée. La mère l'a appelée et s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. Les parents sont partis en vacances à l'étranger avec leur comité d'entreprise. Ils savent? Je dois les rappeler. Salut, Guillaume. Jean-Paul. Je te présente Laurence Cusco, criminologue. Elle va nous filer un petit coup de main. Le point qui est arrivé, là? Il s'est pas éternisé. C'est un tout jeune, il n'a pas supporté les images. Salut, Chinois. Surtout qu'on a eu droit à la version Odorama. Quand on est arrivé, le chauffage était à fond et les fenêtres fermées. Les bloches. Je veux dire, les asticots commençaient à bouffer de matelas, là. Vous n'avez pas touché au cadavre, au moins? Non, on t'attendait. Même le Toubi regardait ça de loin. Tout ce qu'il peut dire, c'est que la mort remonte au moins à une semaine. Je
je te jure, c'est dur, Jean-Paul. Ce mec est arrivé en même temps que nous. Il a pété les plombs, on a dû appeler le SAMU pour l'évacuer. La mouchoir ? Salut, Toubib. Bonjour, commissaire. Vous ferez gaffe aux mains quand vous l'embarquerez. Hein. Une de plus. Vu l'état du cadavre, je pourrais vous fournir des éléments, si éléments il y a, qu'à l'issue de l'autopsie. C'est-à-dire demain matin. À demain, commissaire. À demain, Toubib. Hey, t'as fini de shooter? Je vais pouvoir tripatouiller un peu. J'ai fait deux bobines. Elles seront sur votre bureau dans deux heures. Ouais, elle était d'oreiller, là. Elle était comme ça. Elle l'avait sur la tête, c'est moi qui l'ai virée pour faire mes gros plans. Comment ça, vous l'avez virée? Qui c'est qui est rentré ici le premier? Bah, c'est le bricard de la PS. Et puis après, c'est nous. Et vous l'avez trouvée comment, cette tête d'oreiller? Eh ben, elle était posée sur sa tête. Bah, de toute façon, j'ai fait des photos avec et sans. Donc on remette cette tête d'oreiller exactement comme elle l'était. On n'est pas sur un vol de paillassons ici, merde! On touche à rien tant que j'en ai pas dans les ordres. C'est pas compliqué. Allez, dégagez. C'est la première victime dont tu recouvres le visage? Non. Les autres aussi étaient comme ça. On a pensé que... c'était pour pas qu'elle le voie pendant qu'il la violait, quoi. En fait, je vois pas l'intérêt, puisque de toute façon, il les tue après. Ça fait partie de sa mise en scène. Comme les vêtements. Soigneusement pliés. Il met en scène le corps de ses victimes pour défier un peu plus le système. Et ces indices sont révélateurs du dysfonctionnement du meurtrier. Ce sont eux qui vont nous permettre de déterminer la nature du crime. À travers ce type de représentation sadique, le meurtrier éprouve une certaine gratification, une sorte de reconnaissance sociale. Il est fort probable qu'une fois le meurtre accompli, il reproche à ses victimes de l'avoir poussé à commettre l'irréparable. De là, les mutilations après la mort. C'est intéressant. Car il arrive très souvent dans ce genre de cas de figure que les meurtriers reviennent sur les lieux du crime. Ou dans l'entourage proche de leur victime. À très bientôt, Laurence. Et merci encore. Je pars faire une série de conférences aux États-Unis. Je reviendrai dans moins de trois semaines. Je vous laisserai un numéro de téléphone là-bas, où vous pourrez me joindre au cas où. Moi-même, si j'ai rien de spécial à vous demander, je peux quand même vous appeler. N'oubliez pas le décalage horaire. J'ai horreur d'être réveillé la nuit. Ils ont des primes de week-end pour ramasser la merde. La propreté, c'est le luxe des pauvres. Moralité, il faut rester sale. Ben, on se retrouve à mon bureau. Au 36 quai des Orfèvres, oui, c'est ça. Merci, monsieur Cazan. Très bien, à demain. T'as eu? Hey, j'ai eu le père. Ils prennent le premier avion, ils seront là demain matin. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Leur fille avait été victime d'une agression, que c'était grave et qu'il fallait qu'ils rentrent immédiatement. Je leur expliquerai le reste au bureau. Oh, je les imagine en train de boucler leur valise. Ouais, une seconde. Tenez. Voilà. L'ordre de Ricky pour l'IML.
vrai, tout ça, avec les t-shirts, les souvenirs de vacances, et le pire qui les attend à Paris. Comment as-tu pu savoir que les parents étaient en vacances d'après toi? Fait des repérages. Il prend son temps, c'est un gros malin. Bon, vous me faites les enquêtes de voisinage. D'accord. Je vais taper les constats, on se retrouve au bureau. D'accord, ok. Alors. Non, merci, mon petit, nature. Ah, Moulin, dites-moi, vous ne m'avez rien dit au sujet du nouveau meurtre. C'est le même tueur, d'après vous? Ou alors, il lui ressemble drôlement, oui. Alors, nous en sommes à 7 victimes, c'est ça? Exact. Plus une qui lui a échappé de justesse. Un serial killer chez nous, il n'y a plus que ça. Ils vont se régaler, les journaleux, croyez-moi. Mais des clous. On leur balance rien, sinon on ne le serrera jamais. Et monsieur le préfet, qu'est-ce que je lui dirai, monsieur le préfet? Et aux parents des victimes? Et aux associations qui vont nous tomber dessus quand ils sauront qu'on fait de la rétention d'informations? Mais quelle information? On n'a rien. Salut, Toubib. Salut. Alors? Il y a bien eu pénétration alors qu'elle était encore vivante, mais comme les autres, j'ai relevé aucune trace de sperme. Ni à l'intérieur du vagin, ni sur le corps. J'ai demandé au labo qu'ils fassent des recherches sur les draps. Mais comme depuis le début, l'oiseau baise avec capote, il n'y a pas beaucoup de raisons pour qu'il ait changé ses habitudes. On remarque le même type de blessure, a priori faite avec un rasoir, sur la région du cou, du thorax, des bras, des membres inférieurs. Mmh. Ah, j'ai également relevé des traces brunes sous les ongles du médius et de l'annulaire gauche, vous voyez? Oui. J'ai des prélèvements là. Et voilà. D'après vous, c'est quoi, ça? Ben, à première vue, on dirait de la fibre animale, quelque chose dans ce goût-là. Mais bon, enfin, je vais faire parvenir ça au labo chez vous, en espérant qu'il se dépêche. Excusez-moi. Oui. Oui, c'est moi, oui. Oui, non, là, vous devez faire erreur. Mais j'ai pas de fille. Pardon. J'arrive. Des soucis? Peut-être bien des grosses emmerdes. Commissaire Moulin, PJ. Jetez un œil sur ma bécane. Oui, commissaire. Merci. C'est un toxico qui nous a balancé l'adresse de votre fille. Oh, arrêtez avec ce truc, puisque je vous dis que j'ai pas de fille. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle prétend. On les a tapés ce matin, à 6h, elle est son mec. Lui, c'est un dealer de poudre. La perquise a rien donné, mais on a trouvé 2 barrettes de shit dans son sac à elle, pour sa consommation perso. On les a embarqués. Et lui? En GAV, lui aussi. Rien sur lui, ni à son dame. Il doit avoir une autre adresse où il planque sa poudre. Ils sont pas très bavards. On va laisser Marie à 96h, ils vont finir par jacter. Il a trouvé ça où? La boîte à Lulu, planquée dans une armoire. C'est pour ça qu'on s'est permis de vous appeler, commissaire. Celui-là, là, c'est son mec. Toute ta gueule, enfoiré! Connard.
sortir, on frappera la porte. Salut. Bonjour. En principe, on devrait sauter au cou. En principe, oui. Comment tu t'appelles? Tu le sais, tu serais pas venu sinon. Je sais rien du tout, moi. J'attends que tu m'expliques. Je m'appelle Marie. Marie d'Anglas. Tu veux que j'explique quoi? C'est à maman qu'il faut demander ça, pas à moi. T'as quel âge, Marie? Pour voir si ça concorde avec l'emploi du temps de l'époque, c'est ça? J'ai 21 ans et 4 mois. C'est dans tes dates? Et comment ça se fait que t'as attendu 21 ans et 4 mois pour te montrer? Parce que je suis dans la merde. Je viens juste de trouver un boulot et si je reste 4 jours en garde à vue, mon patron va me virer, c'est sûr. Tu fais quoi comme boulot? Serveuse. Je vais faire que ça. T'aurais pas une cigarette, ils n'ont pas voulu m'en donner ici. Je fume pas. C'est bien. C'est pas le père que j'ai fait appeler. C'est le flic. Je veux simplement que tu me fasses sortir d'ici et après je ne te mettrai plus. Et pourquoi je t'aiderais? Parce que je suis ta fille. Que j'ai rien fait. Ah bon? Et deux barrettes de shit qu'on a retrouvées dans ton sac? Personne n'a jamais resté 4 jours au trou pour 2 bouts de shit écrasés au fond d'un sac. Mais pas en Thaïlande. Non, non, non. Fille de ton lit ou pas, elle nous a manqué de respect. Elle nous a embrouillé à mort. Elle nous a jeté dans les bottes. Alors, la loi nous permet de la garder 4 jours. Elle va rester ici 4 jours. Autrement, ça veut dire quoi, ça? Merde! Je la remets dehors. Et dans une heure, elle va claironner partout qu'elle a niqué les stupes en faisant intervenir son père qui est commissaire. Ça va pas, ça. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour vous la laisser sortir? Elle balance la planque de son mec et dans moins d'une heure, elle est partie. Elle balancera rien du tout, elle est amoureuse. Alors, je sais pas, moi. Voyez ça avec mon patron. Vous pouvez l'appeler chez lui, il est de permanence à domicile. Vous avez les clés de chez elle? Pourquoi faire? Il y a son chien qui est à l'intérieur. Il n'y a pas de raison qu'il se fasse 4 jours de garde à vue. C'est son adresse? 19 au Riquet, dans le 19e. Je vais acheter des sandwichs, un paquet de cigarettes, et vous mettrez la monnaie dans sa fourre pour les jours à venir. Mais oui, je te sors, attends une seconde. Hein? Oh là là là. Oh, le bordel qui t'ont mis, les stupes. Oh, oh, je le crois pas. Regarde, mec. Tiens, viens voir. Regarde. Regarde. Regarde ça. Hein? Regarde ça. C'est ta maîtresse, ça. Tout bébé, là. Regarde-la comme elle est bébé, elle est mignonne, là. Hein? Oh, putain, la gueule que j'avais à cette époque-là. Allez, viens, je te sors. Allez, viens. Allez, tu vas faire ton caca. Ah, bah, je vois que tu m'as pas attendu, hein? Il a fait caca. Il a fait caca, ce grand garçon. Non, 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 faut pas poser le caca. Ça me débête au plus haut point, moi. Il faut vraiment que j'aime les clébards, hein. Tu vois? Qu'est-ce que t'as fait, là? Hein? Qu'est-ce que t'as fait, là? Viens, garçon. Allez, viens, je t'emmène dehors, va. Allez. Est-ce que t'as une poubelle, là, quelque part? Non, apparemment, non. Bon, bah bien, on va mettre ça dans le caniveau. On va faire un petit tour. Après, je te donne la bouffée. Allez, passe. Allez, on y va. Allez, reviens. Oh, que tu es beau. Oh, que tu es beau. Oh, que tu es beau. Allez, allez, reviens. Oh, que tu es beau. Oui, 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 oui. Ouais, c'est bien, mon ami. C'est bien, mon. C'est bien, tiens. Tu aimes bien ton Badia, hein? Hein? C'est ton copain, hein? C'est ton copain Badia, hein? Allez, mon bonheur. Hein.
Le labo a relevé la présence d'un tissu animal sur les fibres prélevées sous les ongles de la petite Sophie Kazan lors de son autopsie. L'analyse est formelle. Il s'agit de crin de cheval. Ce qui signifie que notre homme est soit propriétaire de chevaux, soit amateur d'équitation, soit écuyer ou palefrenier dans un haras situé... C'est peut-être un jockey. C'est vrai, les petits, c'est souvent des mecs frustrés. Demande à Chinois. Ça va, les petits vont très bien. D'ailleurs, mon grand-père disait, quand la maison est très haute, il n'y a rien dans le grenier. Oh, c'est très drôle, c'est très drôle. Il ne faut pas exclure les vétérinaires, les cavaliers du dimanche, les cascadeurs, les tueurs dans les abattoirs, bref, tout ce qui peut avoir un rapport de près ou de loin avec nos amis quadrupèdes. Voilà de quoi occuper une partie de vos week-ends et vos soirs. Oh là là, autant chercher une anguille dans une boîte d'avoine. Vous allez me taper tous les corps de métier que je viens de vous citer. Tous les centres équestres, les zoos, les cirques, les haras, situés à Paris et en région parisienne, dans un rayon de 100 km. Et vous me sortez un listing de tous les gus qui y travaillent ou qui les fréquentent, en mettant de côté les bruns, cheveux courts, la trentaine avec accent du sud, et ceux qui ont eu des antécédents. Mes amis, au boulot. Fille va bien? Ben elle va très bien, t'inquiète pas. Elle a juste perdu son boulot, mais à part ça, tout va très bien. Tu remercieras tes potes de ma part. Ouais, pourquoi tu les as pas aidés? Et toi, pourquoi tu m'as pas aidé? En 20 ans, je t'ai jamais rien demandé. Le jour où j'ai besoin de toi, t'es même pas capable de me sortir de là. J'ai essayé, mais ma carte de commissaire ouvre pas toutes les portes. Et puis c'est toi qui t'es foutu dans la merde toute seule, c'est pas moi qui t'y ai mis. Ils sont de morale à 3 balles, ça va. Quand on partage la vie d'un dealer, on en assume les conséquences, hein. Profiter du fric, c'est une chose, mais quand l'argent pue, il y a des odeurs qui gênent. Mais j'y touche pas, son fric. Mon fric, c'est moi qui me le gagne. Où est-ce que tu l'as connu? C'est quoi, là? Un interrogatoire? Ouais, fais comme tu voudras, Marie. J'ai peut-être pas pu te faire sortir, mais je peux ranger tes bidons auprès du juge. Mais j'ai rien fait, j'en pas de cam, moi. Oui, mais tu vis avec un mec qui en vend. Et pour les juges, c'est de la complicité ou du recel. J'ai rien à dire. J'aurais jamais dû te faire venir. Tu sais quoi, je regrette de t'avoir connu. Écoute-moi, Marie. Y a rien qui prouve que tu sois ma fille, d'accord? Et même si c'était le cas, ça serait exactement la même chose. Une fille pure et dure, hein. T'as fait une connerie, ma chérie? Mais tu peux crever. Papa t'avait bien dit qu'il fallait pas traverser en dehors des passages cloutés. Et si on te demandait de me balancer ou de balancer la femme que tu aimes, tu le ferais? Mélange pas tout. Mais je mélange pas tout, je te parle d'amour! Je sais qu'ils vendent la cam. Je sais que c'est pas bien. Mais c'est le seul qui a été là pour s'occuper de moi, pour me protéger, pour me dire des choses qu'on m'a jamais dites. Il m'a sauvé la vie, tu comprends? Tu sais ce que ça fait de grandir avec une mère que tu vois jamais? Avec un père qui n'existe pas? Ne passer tes journées ballottées entre les nounous qui te foutent devant la télé du matin au soir, changer d'école sans arrêt, d'apprendre tes leçons toute seule sans jamais avoir personne à qui les réciter, avec des filles au père qui parlent même pas le français et qui passent leur soirée à se faire sauter dans la chambre de bonne au-dessus de l'appartement. Tu sais ce que ça fait, toi? Ça va, monsieur le commissaire? Oui, ça va, merci. Tu veux que je te dise comment j'ai appris que t'étais mon père? Un soir où maman était tellement bourrée d'alcool et de médicaments, elle a cru qu'elle allait crever. Moi j'avais 13 ans, j'étais toute seule à la faire vomir. Elle lui parlait pour la calmer. C'est là qu'elle m'a dit que t'étais mon père. Pour que j'aille te voir au cas où il arriverait quelque chose. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce qu'il lui est rien arrivé.
Dans le fond, je te détestais de nous avoir laissé tomber. Mais moi, je vous ai pas laissé tomber. Je savais pas. Et ben maintenant, tu sais. Dis-moi, Jean-Paul. Ouais. Il y a un truc que j'étais en train de me demander, là. Qu'est-ce que tu demandais ? Si c'est un amateur de chevaux, ouais. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le 19e ? On n'a rien trouvé qui puisse avoir un rapport avec les bourrins dans ce quartier. Je sais pas, peut-être qu'il y habite. Ou même, il peut venir pour toute autre chose. Peut-être qu'il a acheté ou piqué la veste d'un mec qui s'occupe de chevaux. On n'a que ça pour commencer, faut bien commencer par quelque chose, on n'a rien. Allez, viens me chercher une bière, s'il te plaît. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il tape dans un secteur de plus en plus rapproché. Dis-moi, t'as eu l'état-major SP ? Ils se sont démerdés pour faire doubler les patrouilles ? Ils les triplent même. Je t'ai mis la note de service sur le bureau. Ouais, je vois, ouais. Ils mettent 20 bagnoles en patrouille continue, plus les îlotiers et les motards, avec contrôle systématique de tous les individus suspects. Il fera pas moins se promener dans le 19e la nuit. Hein. Tu vas leur demander d'établir une surveillance discrète devant le 19 rue Riquet, à partir de mercredi soir. Mais pourquoi ? Salut les hommes. Je faisais des courses dans le quartier et j'ai eu envie de me taper un flic. Te gourre pas, on est que deux. Ah, moi tu sais, les femmes de patron, j'y touche pas. Ouais, bah t'as tort. Arrête de m'exciter, déjà qu'il est vicieux comme un sapajou. Alors, t'as fait péter la carte bleue ? Ouais. Regarde. J'ai trouvé ça pour le bébé de ma sœur. Oh, c'est vachement mignon, oh, mignon. Ça t'irait bien comme bavoir. C'est incroyable ce qu'ils font maintenant. Dire qu'avant, on nous enroulait dans des langes et des bouts de chiffons. Ouais. Autre temps, autre mœurs, Guillaume. Hein ? D'accord, ben, je vous laisse alors. Hein. J'ai mon bon frère qui vient dîner à la maison ce soir, alors à demain. À demain, Guillaume. Comment est-ce que tu peux rester avec ça sous les yeux toute la journée ? C'est horrible. Ça m'aide à pas relâcher la pression, tu vois. Quand je me dis qu'il y a un mec qui est capable de faire ça et qui se trimballe en ce moment dans Paris, eh ben je me dis que je prendrai pas de vacances tant que j'aurai pas serré. Et un dîner en amoureux, c'est possible? Au bout de 8 ans, on n'appelle plus ça un dîner en amoureux, mais un dîner en tête à tête. Bon, t'es salaud. Je suis très salaud. Allez, je vais passer un fax, j'arrive. J'ai une armoire cet après-midi. Il y avait des vieux cartons et... Et la fille à côté d'elle ? Sa fille. C'est des souvenirs, tout ça. Ouais, je sais, j'aurais dû les balancer à la poubelle.
une histoire de 20 ans. Et sa fille, tu la connais? Ben, en fait, elle m'a téléphoné pour me dire que sa fille avait disparu. Comme elle savait que j'ai des flics, tu vois, elle m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour elle, quoi. Tu n'as jamais su mentir, Jean-Paul. Mais c'est la vérité, je te jure. Non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer, hein? Si. Mais je n'imagine rien du tout, je constate. Il n'y a pas une seule photo de moi dans ton bureau, mais que dans ton tiroir, bien au-dessus du reste, il y a des photos de toi avec ton ex, bras dessus, bras dessus. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu fais une scène de jalousie, hein? J'ai jamais revu, je te jure. C'est pas ce que tu crois. Hein. Ah bon? Et c'est quoi alors? T'as intérêt à ce que ça tienne la route? Eh ben, sa fille. C'est la mienne. Voilà. Ah ouais? C'est toi qui m'as poussé, hein? Moi, j'attendais d'en savoir plus avant de t'en parler. Mais comment ça, d'en savoir plus? T'étais pas au courant? Non. Pas du tout. Si j'avais su que j'avais une fille, je pense bien que j'aurais cherché à la connaître, hein? Peut-être pas un modèle parfait, mais enfin, de là à laisser une gamine dans la merde, surtout si c'est la mienne. Police. Hein. J'ai une histoire avec cette femme. On est restés ensemble pendant un an. Un beau soir, je suis rentré à l'appartement et il y avait la lettre de licenciement qui m'attendait. J'ai tiré en avant toutes ses affaires. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Enfin, tu dois quand même bien savoir si elle est de toi ou non. Bah, justement, le problème, si tu veux, c'est que quand elle est partie, elle n'était pas enceinte. Ou alors, elle me l'a cachée. Et la petite, qu'est-ce qu'elle nie? La petite, elle dit que je suis son père. Et elle est où, là? Une garde à vue. Non. T'en fais marre pas. Hein. Attends, moi, j'ai une tonne d'emmerde, tu vois. J'ai pas besoin de ça en ce moment. Excuse-moi. Bon, eh ben, chin-chin à la bonne nouvelle, alors. Marie! Marie! Grimpe, je te raccompagne. Non, merci, j'attends mon mec. Bah, monte deux secondes, je voudrais te parler. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas, chercher du boulot. Tiens. J'ai téléphoné à ce numéro de ma part. Il cherche une barmaid. Paulie, c'est un pote. Merci. Marie, je sais pas quoi faire avec toi. Tu déboules comme ça dans ma vie, comme un petit chien fou, t'aboies, tu montes sur les canapés. Merde. Tu grognes. Mon chien. Je m'en suis occupé. C'est la voisine du dessous qui l'a pris, tu sais, la petite vieille qui joue du piano. C'est elle qui te le garde. Pourquoi tu t'occupes de moi comme ça? Parce que je me dis que dans le fond, t'es peut-être ma fille. Pourquoi je l'aurais inventée? Va savoir. Alors tu seras jamais sûr. Les méthodes maintenant pour être sûr. Tu parles des tests ADN, là? C'est ça? Tu veux faire un test ADN avec moi? Moi, j'ai pas besoin de piqûres pour savoir que t'es mon père.
J'ai vu dans les yeux de maman quand elle me l'a dit. Marie, il faut que je te dise un truc. Tu vas avoir des flics en bas de chez toi dans la rue. Mais regarde pas comme ça. Il y a un mec qui gorge et qui viole les petites nanas dans ton genre dans le quartier. Ouais, c'est ça. Comme ça, vous allez bien pouvoir me surveiller. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux mettre tous les flics que tu veux. De toute façon, ça nous empêchera pas de nous voir avec Richard. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de ton dealer de supermarché. Je te parle d'un tueur en série. T'as déjà fait 7 victimes dans ton quartier. Et toi, tu corresponds pile poil à ce qu'il aime. Ouais, ben tant mieux. Comme ça, au moins, on parlera de moi dans les journaux. Beaucoup de bruit dans la maison cette histoire. Beaucoup de bruit. Fliquette, manque pas d'air, cette ordure. La bête marque son territoire. À une rue de la précédente victime. Hein. Ah bah justement, à ce propos. T'as fait établir une surveillance sur le 19 rue Riquet comme je te l'avais demandé. Oh putain, j'ai oublié. Ah. C'est important, qui c'est? Ouais, c'est important, ouais. C'est la fille d'une amie, une victime potentielle. Je m'en occupe tout de suite. Allez, démerde. Bon, ben moi je rentre. Hein. Salut tout bim. Qu'est-ce qu'on fait, patron? Les gars à la PS, ils ont tapé tous les immeubles du quartier. Ils ont rien vu, ni rien entendu. Tu leur dis qu'ils remontent la rue en laissant des convoques sur tous les pare-brises des voitures qui y sont garées. Si le type attendait dehors, il y a peut-être une chance qu'il y a un mec qui l'a aperçu en faisant son prénom. Arrive, bonhomme. C'est le big chagrin. Tu veux pas me raconter qu'est-ce qu'il y a? C'est des policiers. Et comment tu t'appelles? Arnold. Arnold? T'habites ici? Et qu'est-ce que tu fais tout seul dans la cour? Bah, dis donc, t'es pas bavard, Arnold, hein, tu sais. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les policiers? Tu peux me le dire, moi, c'est moi le chef. Je peux même t'arranger ton coup. Ils ont dit qu'ils allaient monter voir mes parents et leur dire. Leur dire quoi? C'est parce qu'ils m'ont vu en train de fumer. Tu fumes, toi? C'est des mégots que j'ai trouvés par terre. Tu fumes des mégots, toi? Et tu les as trouvés où, ces mégots? Dans l'escalier. Juste au-dessus de chez la dame qui est morte. Enfin, brigadier, ça vous est pas venu à l'idée? Un môme qui trouve deux mégots identiques dans l'escalier juste au-dessus de l'appartement de la victime. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Des éléments susceptibles d'être exploités. Je pourrais pas savoir. Vous avez quand même le QI plus proche du Q que du I, hein? Vous les avez jetés dans quelle poubelle? Celle de gauche, je crois. Ouais. C'est pas la peine de m'aider, Guillaume, hein? Putain, quel feignant, ce mec! Viens mettre tes mains dans la merde un peu, tiens. Oh. Des gueules bif. Ouais, elle était déjà bien pleine, sinon pas pu aller bien loin. Mmh. Viens. Non, bon, ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde à l'état pur. Oh. Ouais. C'est assez dégueu ce qu'on fait, tiens. Brigadier. Ça ressemble à ça? Ouais, je crois, c'était des brunes sans filtre. C'est des brunes. Ouais, c'est ça. Chinois à ton sac. T'as j'en tiens un deuxième, dis donc. On aura du bol si c'est exploitable. Allez, direct au labo.
madame. Je vous promets que nous ferons tout notre possible pour retrouver l'assassin de votre fille. Approcher. J'ai pas besoin de garde du corps, tout va très bien. Ils sont où les autres? Quels autres? Les autres flics. Oh. Qui me collent le cul toute la journée. Je suis devenu un gros gibier pour que le patron se déplace en personne. Il y a deux flics dans ta rue. Mais encore, ils sont pas là pour te surveiller, ils surveillent ton immeuble. Et les autres nanas, elles ont droit à un régime de faveur, elles aussi? C'est de la police de classe, alors. J'ai vu qu'il y avait une qui s'était fait assassiner rue du Verger, je crois. C'est près de chez moi, ça. Je sais, ouais. Ça t'embêterait vraiment s'il m'arrivait quelque chose? À ton avis? T'es en train de chercher où je te ressemble, hein? Non, c'est pas ça que je pensais. Tu pensais à quoi, alors? À ton petit frère, qui est mort il y a 5 ans. Il avait quel âge? Il avait 13 ans. C'est ses yeux que je vois dans les tiens. T'as une photo? Ouais. Tiens. Il était mignon. Il est mort de quoi? Accident de la circulation. T'aimes la bécane? Ouais. Tiens. Alors? Ouf. Oh. Comment t'as trouvé? C'était génial. Hein? Sympa, non? Salut. Marie, pourquoi tu déménages pas? Faut pas laisser des flics ad vitam aeternam devant ta porte. Parce que je suis bien ici. C'est mon quartier. J'ai mes habitudes. En plus, tous mes potes habitent dans le coin. Et puis, une fille de commissaire, ça risque rien. Je t'invite à boire un verre? Non, merci. Non, j'ai pas envie de tomber sur ton mec. Je trinque pas avec les dealers, moi. Tu vas pas recommencer. D'abord, il est pas là. Ah oui, c'est vrai, il travaille. Bon, écoute, ma vie privée, c'est mes données. Puis en plus, on serait peut-être jamais rencontrés sans lui. Alors, tu montes? Écoute, non, pas ce soir. Je travaille tôt demain, puis Sam va m'attendre. Bon, ben, comme tu veux. Emmène la bouffe au resto, je fais connaissance comme ça. C'est promis. Oui. J'ai passé une bonne soirée. Oui. Moi aussi. Salut. Bonjour. Hé, hey. Au fait, pour le test ADN, c'est quand tu veux. Ok.
après ce scandale, maintenant, vous avez été racheté? Dis donc, t'es pas à la PJ ici. On travaille. T'appelles ça travailler? J'appelle ça faire de la merde. Tiens, j'ai amené un double du péril de constat sur le corps. Ça va faire un tabac demain en page centrale. On peut peut-être essayer de laver notre linge sale en famille. Allez, viens. Ferme la porte. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Je t'écoute. Où est le problème? Et vous y avez pensé, aux parents de la gamine? Hein? Tu sais ce qui risque, ton rédacheur, en publiant une photo aussi dégueulasse? Et putain, il n'y a plus aucune déontologie dans votre métier! Tout ça pour faire du fric! Je reconnais que c'est pas très cool, mais ça vient pas de moi. Mais ça vient de qui, alors? Hein? Il est signé par qui, ce papier? J'ai envie de te le faire bouffer, ton torchon! D'abord, tu te calmes, Jean-Paul! Et heureusement que c'est moi qui l'ai écrit, ce papier. Sinon, je te dis pas comment ils vous auraient arrangé, vous, les flics. Ça fait maintenant plus de 6 mois que vous pataugez dans la semoule. Combien de victimes vous avez sur les bras? Hein? Réponds-moi, Jean-Paul. Combien? 8, 9, 10? Mais il en faut encore combien pour le serrer? Hein? Dis-moi. Ah oui, et la cerise sur le gâteau. La photo. Tu veux savoir qui nous l'a vendue? C'est un flic! Un mec de chez vous! Ouais, je sais. C'est une photo d'IJ prise pendant les constats, ouais. C'est sûr que c'est pas un blaireau, un paparazzi. Ça se réglera avec les bœufs. Les bœufs? Ah, il y a les bœufs qui rôdent. Et si on se sert, il va morfler, je te garantis. Mais faut pas en vouloir à la terre entière si vous merdez. Et surtout pas à la presse. Puis de toute façon, c'est pas de ma faute. Si on n'arrive plus à se comprendre depuis quelque temps. C'est de la mienne, hein? N'en remets plus jamais les pieds ici. Et surtout, ne m'appelle plus. Salut. Salut. Des surfeurs en vadrouille à Barbès, vous reculez devant rien, les mecs. Si vous avez déniché cette bouse. Oh, je chambrerai pas, c'est à moi un souvenir de jeunesse. Il arrivait pas à le revendre, au moins il sert à quelque chose. Dites donc, vous l'avez localisé, l'astico? Ouais. Vous allez le reconnaître. C'est le mec avec la veste noire, le grand café. Le mec noir. Ouais. C'est là qui donne ses rendez-vous. Vu. Ces doses, il va les bloquer dans la boîte aux lettres, là. Là-bas. Chez YMT, 94, regardez. En face, là. Ah d'accord, ouais. Ouais, je vois. Il laisse son client sur le trottoir. Et il revient 2 minutes après avec la cam. Maintenant, regardez. Il nous le fait en direct. Ouais, il y va, là. C'est le 20e depuis midi. 500 balles et 1000 balles la dose, vous imaginez le pognon qui doit se goinfrer dans la journée. Un salaire de commissaire? Je me demande pourquoi on se fait chier, les mecs. J'ai quelque chose qui devrait vous intéresser. On a mis son portable sur écoute. Allô? Ma puce, c'est moi. T'es où? Je suis chez Ahmed. J'ai besoin que tu me rendes un service. Il m'arrive une merde. Quoi comme service? Un kill à réceptionner. Apparemment, il s'est géré de votre fille. Ça va, j'ai reconnu. Je rentre pas dans ton business, Richard, tu le sais. Y'a qu'à toi que je peux te demander. Si tu m'aimes, tu le fais. C'est rien du tout. C'est juste... Attendez! Qu'est-ce qu'il fout? Il y va! Merde! Il vous fait foirer! Merde. Lâche-moi, je te bute! Ah, tu vas rien buter du tout, espèce de sous-merde. Tu vas m'écouter. Si je t'envoie traîner une seule fois autour de Marie, t'entends? Une seule fois, je te vise la tête. Et t'avises pas de l'embarquer dans tes sales combines, hein. Sinon je te fume. Il est tard pour travailler, papa. Elle est grande, ta fille, maintenant. Elle est grosse, hein. Tu sais pourquoi elle reste avec moi? Parce que je la fournis gratos. Il y a comme ça qu'elle prend son pied, c'est quand je la déchire. Et regarde ce que j'en fais de ton pognon, regarde ce que j'en fais de ton blé! Regarde ce que j'en fais de ton pognon, regarde! T'as pas le droit! Allez, embarque-moi cette sous-merde! Si elle est pas de ma mort, hein.
embarque-le, embarque-le. Orages et des vents soutenus, les températures elles, de 9 à 19 degrés ce matin et de 19 à 20. Jean-Paul, c'est maman. Juste pour te rappeler que c'est l'anniversaire de ton père demain. Oublie pas, hein. C'est déjà pas drôle d'être avec un vieux. Alors avec un vieux qui fait la gueule, je t'embrasse. Bonsoir, c'est Laurence. Je suis de retour des États-Unis. Vous pouvez me joindre ce soir à mon domicile. Au 01 42 71 04 34. Vous m'avez manqué. C'est con, mais c'est comme ça. Vous parlez comme ça parce que vous avez bu. À quoi ça sert de voir si c'est pas pour se dire des choses qu'on n'arrive pas à se dire normalement? Si ça me permet de vous dire que je vous trouve belle, fascinante, intelligente, que vous me plaisez. À vous, ça vous fait plaisir et moi, ça, je me sens mieux. Alors, tout va bien, non? Hein? Et moi... Je ne serais pas là. Je suis pourtant qu'un vieux con de flic accroché à son comptoir. Donc cette ordure doit être en train de repérer sa prochaine victime. Je suis une fille sans savoir qu'elle existe. À peine je l'ai retrouvée, que déjà je l'ai perdue. Mauvais père, mauvais flic et... mauvais mari. Mauvaise pioche. Oh là là. Ah, ouais. C'est comme ça, hein. J'ai jamais su garder quelqu'un très longtemps. Allez, une autre. S'il vous plaît, mademoiselle, une autre. C'est la mienne. Merci. J'ai évoqué le cas de votre tueur en série à mes collègues américains. Et alors? Ça les a inspirés? Vous avez affaire à un sadique, ça on le sait, qui trouve son vrai plaisir dans la souffrance des autres, et non seulement des victimes. Il faut chercher autour de ça, autour de cette notion de prolongation de plaisir. S'il vous plaît. Le fait de retrouver ses émotions, de revivre l'instant de la mise à mort. Et ça peut-être dans l'entourage proche de la victime. Des appels anonymes aux familles, des photos prises pendant le meurtre et envoyées aux parents. C'est déjà arrivé. C'est l'exemple d'Arthur Choucros qui allait boire le café avec les policiers pour savoir où en était l'enquête sur les meurtres qu'il commettait. Ou encore ce type qui a été arrêté dans un cimetière alors qu'il était revenu pour se livrer à des obscénités sur la tombe de l'une de ses victimes. N'oubliez jamais que c'est avant tout un provocateur. Change de crémerie. D'accord. Je suis désolé.
J'aurais jamais dû t'emmener chez moi. C'est pas grave. Et si, si, c'est grave. Je voudrais pas que tu crois que tu me plais pas. Mais tu vois, elle est trop présente ici, Sam. C'est pas possible. Dommage. On aurait dû se rencontrer plus tôt. Question timing. Mon mari avait moins de scrupules, lui. Qu'est-ce que tu fais? Je me rhabille, je rentre chez moi. Reste. J'ai pas envie d'être seule. T'es sûr? Certain. Du café, croissant beurre, jus d'orange, ça t'attend sur le bar. Mmh. Il faut que j'y aille, là. On m'attend pour travailler. Tu fais comme chez toi, tu tires la porte. Comme au bon vieux temps. Je sais pas quoi dire, là. Ne dis rien. Elle a de la chance, c'est tout. Ça m'apprendra à craquer sur des mecs mariés. Je suis pas marié. C'est pire, vous êtes amoureux. D'embarquer l'argenterie. D'accord. Si tu regardes bien le plan, il tape dans un triangle précis. Bassin de la Villette, canal de l'Ourcq, parc des Buttes-Chaumont, les Maréchaux. Il suffirait peut-être de concentrer les patrouilles et les contrôles sur ce périmètre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va pas, Jean-Paul? C'est à cause de la petite gardienne? Ah, t'es miné comme un champ de bataille, je vois bien. Je suis fatigué. J'en ai marre de ce con. Ouais, mais les gars aussi en ont marre. Ils passent leur journée à visiter des centres équestres, les haras, les manèges de chevaux, et pendant ce temps-là, les petites continuent à tomber. Et le labo, qu'est-ce que ça donne? Ou les mégots? Ouais, ils vont plus vite, mais ça vient pas, hein. Ça serait plus facile sur du sang ou du sperme. Mais là, ils vont avoir beaucoup plus de mal. Ah, tiens. Laurence Cusco, psychocriminologue. Ça t'inspire, ça? Pourquoi? C'est intéressant de savoir comment ces mecs fonctionnent. Quand tu vois cette nana, t'as envie de lui filer une boussole dès qu'elle sort de son 6e arrondissement. Mais si tu lis son bouquin, que tu vois les affaires qu'elle a traitées, les fumiers qu'elle a été interviewée en tôle, ben je te garantis qu'elle en a sous le tailleur. T'en passerais pas un peu pour elle? Non, mais tu vas pas bien, quoi. Oh. Hey, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Mais je peux pas te parler d'une nana que j'admire sans que tu t'imagines que je l'ai sautée? Oh, attends. Je vais te dire un truc, tu vois. J'ai appris des choses vachement intéressantes avec elle. Vous allez me mettre une planque sur toutes les adresses de ses anciennes victimes. Et puis après, on ira se balader dans les cimetières. Pourquoi faire? C'est psychologique. Tu peux pas comprendre. Thank you.
Si ça se trouve, tu t'en es grillé une espèce de fumier. Appartiennent bien au même mec qui a fumé ce que tu as trouvé dans l'escalier. Les tests sont formels. Ce sont les mêmes fragments d'ADN. Mais je peux te dire qu'on en a chié. Ah bon? Oui, il pleuvait ce jour-là. Ouais. Va les retrouver, toi, les traces de salive sur les mégots mouillés. Maurice, tu veux que je te dise un truc? Hein? T'es un dieu. Bien, bah, écoute... Je déconne pas, hein. Je suis sérieux, là. Chinois, vous allez me contacter les boîtes de pompes funèbres ayant organisé les obsèques des victimes. Vous me récupérez le livre de condoléances et vous me faites des recherches sur un même nom ou une même signature qui apparaîtrait sur chacun des livres. Il y a trop de travail, là. Hein. Mais enfin, là, t'es payé pour ça. Guillaume, tu vas me monter une planque sur chaque cimetière en continu par équipe de deux qui me feront les trois vite. Avec pour consigne de prendre en bobine et de contrôler le premier suspect qui viendrait s'y répondre. Non, tu peux pas faire ça au gaz. À ceux qui sont pas contents, hein, y a des places à prendre à l'intendance. On manque de techniciens de surface, là, pour balayer les burlingues. Qu'est-ce que tu veux? Je souhaite parler. D'abord, je voulais m'excuser pour le bordel que j'ai mis ici au toit. Et puis aussi pour t'avoir laissé sans nouvelles. J'ai d'orgueil. Tu étais très occupé avec ta criminologue avec laquelle tu travailles en étroite collaboration sur ce dossier. Quand tu baises une autre fille, choisis des connes qui ne savent pas écrire. Ou alors, tu brûles les petits mots le lendemain matin. Ou alors, tu n'as pas le double de tes clés à ta femme. Voilà, je suis allée chez toi pour récupérer un dossier important. J'ai vu ce petit mot qui traînait là sur le bar. Édifiant. Alors, je t'ai laissé l'argenterie. En revanche, je t'ai emprunté le petit réveil quartier et le gonflé est à moi. Merci pour cette nuit magique. Rappelle-moi vite, Laurence. Dans la série, le commissaire est dans la merde. Alors, tu t'es bien régalé? Bon, alors, t'es là pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te demander les photos que, que ton photographe a faites. À l'enterrement de la petite fille qui s'est fait assassiner. Mais je croyais qu'on faisait que de la merde. Je suis désolé, Sam. J'ai eu tort. Bah, moi aussi, j'ai eu tort. Le jour où je t'ai rencontré. Je t'assure, Sam, tu te gourres. C'est purement professionnel, mes relations avec Laurence. C'est ça, prends-moi pour une conne. Si ça avait été un gros boudin de 120 kilos, je suis pas sûr que tu serais intéressé si près à l'affaire. Mais non, je t'assure. Mais tu peux pas comprendre cette histoire, me prend la tête, je pense plus qu'à ça, moi. Ça, pour ne penser qu'à ça, tu ne penses qu'à ça. Sauf avec moi, méfie-toi, je pourrais très bien aller voir ailleurs, tiens. Voilà, j'espère que ça te servira, que tu arriveras à le retrouver et que tu n'auras pas fait tout ça pour rien. Je suis désolée, mais le service démarque à 19h30. Toi, tu me téléphones plus? Ça va, arrête de jouer les faux culs. De quel droit t'as tapé sur mon mec? Pour qui tu te prends? Je voulais te protéger, c'est tout. J'en ai rien à foutre de ta protection, moi. Je vais te dire, estime-toi heureux qu'il n'ait pas porté plainte. Hein. C'est bien parce que tu m'as sorti de la merde la première fois, c'est tout. C'est le monde à l'envers, ça, hein? Et ben maintenant, on est quitte. Alors tu sors de ma vie, je sors de la tienne, d'accord? Et je te promets que s'il lui arrive quoi que ce soit, je me fous en l'air, t'entends? Mais qu'est-ce qui t'a fait, Marie, pour que tu l'aimes à ce point-là? Je l'aime, c'est tout, c'est comme ça. Il est gentil avec moi, il s'occupe de moi. C'est un dealer. Il va t'emmener dans le mur, je te le garantis. Tu vas toucher le fond, moi, crois-moi. Bah, le fond, je connais que ça jusqu'à maintenant. Alors au moins, j'y serai avec lui, comme ça. Demande-lui s'il arrive à s'endormir quand il pense aux mômes de 15 ans qui s'en mettent plein les veines avec la poudre qui leur fourgue. Demande-lui, bon Dieu. Ça te plaît de tout détruire, hein?
Allez, va-t'en! Va-t'en! Pas. Allez, viens la relève. Hey, belle soirée, hein. Tiens. Vous avez un quart d'heure d'avance, ça, hein. Oui, on était tellement pressé de venir qu'on n'a pas fait attention. Vous voulez que je vous dise, patron? Le mec, en pleine nuit, s'il vient ici s'incliner sur la tombe, c'est qu'il en a gros sur la patate. Allez les mecs, bonne nuit. À lundi. Je veux pas mourir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, oh. Mon père commissaire, il va vous retrouver. Ouais, il est aussi bon que les deux cons qui sont devant ta porte là.
Il a dit 5 minutes. Jean-Paul ? Claire ? Si on m'a dit qu'on se retrouverait dans ces circonstances 20 ans plus tard, je l'aurais pas cru. Elle est drôle, la vie. Hein. Je m'en serais bien passé. Elle est où ? En salle de réanimation. Les médecins peuvent pas se prononcer. Comment ça, ils peuvent pas se prononcer ? C'est une opération délicate. Il faut attendre le choc post-opératoire. Claire. Elle est très amochée. Mais elle va s'en sortir, j'en suis sûr. Elle est forte, notre fille. Ouais, je te laisse. Tu reviendras ? Demain. Comment elle va ? Pas terrible. Mais pourquoi tu m'as jamais dit que c'était ta fille ? Je sais pas. J'en étais pas sûr. C'est toute ta tronche pourtant. Ça se voit tout de suite qu'elle est de toi. Sur le poste du commissaire principal Jean-Paul Moulin, vous laissez un message après le bip. Jean-Paul, c'est Laurence. J'ai appris pour Marie. Je voulais te dire que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Je t'embrasse. Qu'il faudra. Je t'aurai. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Je t'aurai ! Foiré. J'ai appris pour ta fille. Je voulais pas te laisser seule. Ça. T'en fais pas. Elle va s'en sortir. T'y es pour rien. Je suis là. Elle est consciente. Mais elle est toujours sous assistance respiratoire. Elle souffre ? Avec la morphine, elle sent pas grand-chose. Bonjour, Marie. C'est papa. Tu m'entends ? Cligne tes yeux. Elle me reconnaît. Tu nous as fait peur, tu sais. Mais on va te sortir de là. Je sais que c'est pas le moment.
Et comme tu es la seule à l'avoir vu de si près, il n'y a que toi qui puisses l'identifier. Je vais te montrer des photos. Quoi? C'est important. Si jamais tu le reconnais, tu me fais un signe avec tes paupières, d'accord? C'est lui, là? J'ai l'impression qu'elle veut parler. Appelle un médecin. À distribuer dans tout le 36. Et à afficher chez vous, pour bien vous en imbiber les neurones. Tiens, chinois. Je sais où le mettre. Ça m'aidera à tirer la chasse. Qu'est-ce que tu fais, là, toi? Je m'amuse, ça se voit pas. Tu laisses tomber les croque-morts et tu viens camper au fichier et tu me fais des recherches sur les tatoués. Le mec, en se mettant à poil, a exhibé ses peintures de guerre. Marie a vu un dragon enroulé autour du bras droit. Alors tu regardes tout ce que tu peux me sortir là-dessus. Ça va prendre un temps fou. Eh bien, c'est bien pour ça que tu devrais être déjà parti. Les journalistes sont en bas, Moulin. Ils attendent des informations. J'ai rien à leur dire, moi. Pourquoi vous avez fait venir? Je n'ai fait que me soumettre à la décision des autorités préfectorales. C'est-à-dire? C'est-à-dire la diffusion de la photo du tueur par voie de presse. Ah, c'est bien une décision de préfet, ça. Moi, je vous préviens que si vous diffusez cette photo, je vous rends mon tablier. Mais enfin, Moulin, l'opinion publique a besoin d'être rassurée. Mais bien sûr, mais le mec, dès qu'il va voir sa tronche, il va plus bouger un orteil. On a fait la même connerie à l'époque, vous vous souvenez, avec le tueur de la N20. Dès que son portrait robot a été diffusé, pof, disparu. Plus jamais entendu parler de lui. Ça a eu au moins l'avantage d'arrêter les meurtres. Bon, bien sûr, il en avait tué 8. Vous, ça vous a pas gêné de savoir qu'il se baladait, hein? Dans la nature, moi si. Les morts, on leur doit quelque chose, ou alors faut changer de métier. Autre détail, une diffusion presse, ça implique des centaines d'appels par jour. Vous vous imaginez tout le travail de vérification qu'il va falloir s'embourber, hein? Entre les appels bidons, les petits plaisantins, les téléphones anonymes des mecs qui balancent leurs voisins de palier, mais on sera jamais sorti de l'auberge. On l'a presque, monsieur le directeur. Hein? Si le mec reste terré chez lui parce qu'il voit sa photo en première page, c'est lui qui nous baise. Je vais essayer de convaincre monsieur le préfet. Je vous remercie. Créateur, rédempteur de tous les fidèles, accordez aux âmes de votre servante, Marie d'Anglas, la rémission de tous ses péchés, et que par nos pieuses supplications, elle obtienne le pardon qu'elle a si longtemps désiré. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nous allons prier pour le repos de l'âme de notre disparu. Ô Jésus, notre Saint Rédempteur, par l'amour qui vous a fait devenir homme pour nous sauver, par la miséricorde qui vous a fait mourir pour nous sur la croix, nous vous prions de bénir notre maison, notre famille et tous ceux qui demeurent avec nous. Délivrez-nous de tout mal et des embûches des hommes. Gardez-nous de votre colère, de la haine et des mauvais desseins de nos ennemis. Ne permettez pas qu'aucun d'entre nous meure sans les sacrements. Thank you.
moulin de Franck. Votre ami vient d'arriver. Pour vous, il est à une heure. C'est reçu? Reçu. Pas tout de suite, mais t'es quand même un super flic. Hein. Mais bon, avoue que c'est quand même un peu grâce à moi et à mon dealer de supermarché, comme tu dis. Tiens, au fait, il est où celui-là? Il a pas de voix? Il a pas trop supporté la pub dans les journaux. Ah. Il a quitté Paris. Mais bon, j'ai retrouvé un père et une mère. Alors je peux bien les échanger contre deux barils de poudre, non? Tu ferais mieux d'arrêter de parler et de te reposer. Ouais, tu vas encore nous faire une attaque comme la dernière fois. Hein. J'ai grave flippé, tu sais. Ben, c'est normal, t'es pas là pour une appendicite. 6 mois de plat, t'es autant de réduc. T'as pas fini de nous emmerder. Mais qui c'est qui va s'occuper de toi? Maman. C'est maman. Et dis-moi, l'idée du faux enterrement, c'est pas de toi, quand même? Ben pourquoi? Tu en trouves tellement nœud? Non, c'est pas ça, mais... mais bon, fallait y penser, quoi. Bah ben oui, mais il a eu un renfort de qualité. Hein? Ah, d'accord. Ouais. Je comprends. D'accord, je vois. Oh, d'accord. Madame.